Salut. Est-ce que tu as parlé au prince? Je l'ai pas vu depuis qu'il s'est fait... Depuis qu'il s'est fait rafraîchir. On dira oui. Il me manque des maps ici, et comment j'y vais? Bah depuis là en fait, idiot. Allez, on avance. On prend des dégâts, parce que c'est trop bien, on adore les dégâts. Oui, oui. Les dégâts. Oui, les dégâts. Les dégâts. Pourquoi il y a un papillon là-bas? Pourquoi le papillon? Voilà. Ah, mais je suis bête, on voit les objets, donc je saurai où il faut creuser pour trouver le coffre s'il y en a un. Comme ici. C'est la mouise, c'est la mouise. À l'aide, à l'aide. Non, je veux toujours voir les objets, merci. Patata, patata, patata. Oh, j'en veux un nouveau. Oh, oui. Je veux la vision des objets. La vision des objets. Ben ouais. Ah! Mais. Je les ai jamais attrapés dans mon bocal. Je suis incroyable. Hein. Un niveau à toute épreuve. Punaise. Un anneau, c'est quoi? Les armes sont perçantes. Oui, si tu veux, parce que de toute façon, j'ai pas d'anneau. Quel nul alors. Allez, des boîtes de la force pour avoir des dégâts. On aime ça. La 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 la. Bim! La peste mojo. La peste. La peste mojo. La peste mojo. Peste mojo. C'est la peste mojo. Bonjour madame. Bienvenue à l'univers du destin. Je vous attendais des infos que je vous croyais de l'avenir. Allez, bon, ok. Oh, oula. C'est le LSD. Je vois un grand château au centre d'Hyrule, votre destin est d'anéantir le mal qui s'y niche. Bonne chance. J'ai indiqué l'emplacement sur votre carte. Ah, ok, en fait, elle te file les quêtes. Pourquoi je l'ai jamais fait? Pourquoi je suis bête? Bon, allez, je vais prendre une popo. Ouais, bravo, vous avez la potion de vie, vous êtes incroyable. C'était le texte, c'est pas moi. Allez, on finit les maps ici, là. Boring. Patata, 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 patata. Mais mince, je te déteste. La rapière. C'est rappe beaucoup, tu vois. Vu qu'elle rappe beaucoup, ça fait rapière. Sauf qu'on s'en fout de la rapière. On veut toujours ma lance. Elle est très bien, ma lance. Oh non. Ah, il y a un coffre bleu. Mince. Je dépense des pulsations pour rien. Faut me dépêcher de toutes les lutter. Ouais, j'ai été trop fort. J'utilise pas assez le feu de dinde, mais bon... D'un côté, j'ai envie de dire, c'est un peu fort quand même. Genre à peine. Tic tic. Ah. Est-ce que j'ai vraiment envie du coffre là-haut?
Oh mince, c'est exactement ce que je voulais pas. Oh, d'accord. Donc je peux monter parce qu'il y a rien en bas. Je ne comprends pas. Je comprends pas. On va là-bas. Pourquoi ils sont... Je sais pas quand les monstres reviennent, quand ils reviennent pas. C'est pas grave. Les graines de mojo. On sait toujours pas ce que ça fait. Oh. La graine. La graine de mojo. La graine est mince. Pip pip. C'est la graine de mojo. Alors, oh punaise. Trop simple. C'est quoi? Un super grappin. Plus efficace que votre vieux grappin, il a une plus grande portée et peut étourdir davantage d'ennemis. Ah, on peut étourdir les ennemis avec... Je savais pas. Oh punaise. Une dernière map à regarder. On va à la dernière map. 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 À la dernière map. Ta la ta ta. Bonjour. Oh là là, mais quel homme! Quel archer hors pair! Je fais n'importe quoi! Mais oui, c'est moi, le n'importe quoi! Oh là là, mais... Pouvez-vous arrêter de faire de la nullité? Merci! Qui veut stepper? Personne! Tellement que j'en veux pas, j'en ai 18! Je prends des gros dégâts pour rien, comme d'hab. Je prends des dégâts bad, je fais que ça. Je ne sais pas pourquoi je prends des dégâts. Pourquoi je fais ça, mais dites-le moi. Je ne sais pas pourquoi je prends les dégâts. Ah si, peut-être parce que je suis nul à... Compléter la phrase avec ce que vous voulez. Est-ce qu'on a tout fait ici? Il reste un coffre. A donde está el cofre? Je sais même pas si c'est dit cofre, mais ça m'étonnerait. Ah mais oui, c'est le coffre que j'ai pas voulu ouvrir. Voilà, faut l'ouvrir, hein, on est content. Ah mais j'ai pas d'anneau, bon allez, prends-le. Mais, oh, heureusement que j'avais des bottes. Pour voler. Bon! J'aime bien dire bon comme ça. Il y a un coffre violet ici, il y a un coffre violet ici, il y a un coffre violet là-bas, il y a un coffre bleu là-bas. Ah, je veux bien un coffre bleu, cela dit. On va chercher un coffre bleu! Et toi là? Non, je n'ai toujours pas vu de Goron. C'est... Faut que tu le comprennes à un moment donné. Je ne sais pas qui c'est. J'ai l'impression que les coffres rouges reviennent, cela dit, sur la map. On l'avait déjà dit, ça, c'est ça. Mais c'est un coffre bleu avec du caca dedans. Genre, qui veut du caca dans un coffre? Personne. Surtout pas moi. Je suis ultra déçu de ce coffre. Genre, la déception, là, elle est très grande. Hein. Je sais pas si ça se ressent, mais...
C'est quoi ça? C'était un mini-jeu? Vas-y, on va le faire. Oh, un cœur, super. Oh, là-bas, un cœur. Super. Ah oui, c'est le mini-jeu où on n'a rien compris. Bienvenue au bowling ténu. Ah mais non, on l'avait jamais fait. On fait le bowling. Et le bowling. Essayez de toucher autant de cibles que possible. Vous pouvez relâcher les missiles ténus avec A, B, X ou Y. Si vous débrouillez suffisamment bien, vous pourrez même avoir une récompense. Ben ouais. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Ils avancent tout seuls. Je suis con. Ah. J'aime prendre les dégâts. La 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 la. Eh ben je l'ai eu parce que je suis trop fort. Je comprends pas ce jeu, bordel. Eh ben je l'ai eu parce que voilà. Oh, il y en a un autre. Pourquoi? Faut parler à qui? Madame? Genre là, il y a un truc. Oh ben fou. Eh bonjour. Comment trouves-tu ma boutique? Les clients sont rares par ici, mais il en faut plus pour décourager une femme d'affaires comme moi. Oh, continue comme ça, madame. Donne-moi des cœurs, je les achèterai tous. On s'en fiche, on s'en fiche, on s'en fiche. Là, comme violet. Ah, mais c'est une map où on n'est jamais allé. Donc comme elle est là, on va descendre. Salut, Majiro. Pardon, excuse-moi. Je sais pas si tu l'as mis il y a longtemps. Je suis tellement dans mon truc. Au début du stream, j'ai dit, je crois que je suis à mon 4e café aujourd'hui, je suis à fond. Mais quand je te dis je suis à fond, je suis à fond. On dirait les youtubeurs super sous caféine, pour pas dire autre chose. Bon, on est là. Eh bien, il faut trouver un coffre violet et une maison grotte. Donc j'imagine qu'il y a quelque chose... Voilà, sous une statue. Alors, c'est une arène, génial. Ah ! Et non, raté ! Mince. Utiliser la petite peste à mon avantage. Pas du tout, c'est pas moi qui l'ai fait. Je fais n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Ah, super, le coffre violet qui donne des flèches de foudre. Elle donne à vos flèches un effet de foudre. Oui, c'est le but d'avoir des flèches de foudre. Bon. Alors, ce coffre c'est fait. Il faudrait qu'on rejoigne ici. Comment j'y vais? Apparemment, on peut y aller par là. Donc, je peux y aller d'ici. Je sais pas. Bon, on va voir. Et bim! Allez, aïe, mais c'est pas possible! En fait, c'est dès que je peux aller en bas, il faut que j'essaye. C'est ça que je veux me dire. Mais on dirait que je peux pas y aller. Oh, j'ai une idée. Je peux y aller par la flotte maintenant. Je suis incroyable. Ah mais il y a la baguette de feu là, je la veux. Donne-moi. Ah mais c'est le champ des tempêtes. Il est trop bien. Il est chouette comme ça, un peu jazzy. Oulala, là là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui dorment. Zzzz. On va essayer de les réveiller. Alors. Ok, alors. Là, là, là.
Là, 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 là. Impeccable, je suis trop fort. Allez, réveillez-vous là. Eh, le réveil sonne déjà. Nous ne sommes pas du matin, mais cette mélodie nous met toujours en pleine forme. Oh, je crois qu'on a un peu trop dormi, merci de nous avoir réveillés. Prends ça, ça devrait t'aider à traverser la rivière au nord d'ici. Mais... Une attaque plongeante. Vous avez acquis la capacité d'effectuer les attaques plongeantes. Inutile de l'assigner à un bouton. Tomber sur un ennemi pour sauter vers une autre case ou un autre ennemi. Eh bien, merci les gars, mais j'ai déjà fini le truc là-bas. Bon, énigme. Énigme pour rejoindre le... Mais j'ai pas besoin d'une énigme, je peux prendre toutes les caisses et les balancer où je veux maintenant. Énigme. Allez, ça dégage. La baguette de feu... est-ce qu'il me manque un coffre violet? Oui, là-haut. Est-ce qu'il m'en manque d'autres? Je crois pas. On dirait que c'est le dernier coffre violet. Et après, on peut aller là et on finit le jeu. Voilà. On va faire ça. Donc, on va là. Le gant est très très fort. Hein. C'est... Je suis étonné par la capacité du... Ouais. La capacité du ouais, la fameuse. Ah, j'ai pas dû regarder la carte quand j'étais ici. Ou alors, si. Mais il fallait faire un truc précis. Pourquoi j'ai pas pris ce coffre alors que j'ai trouvé l'escalier? Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait encore comme bêtise? Dis-moi. Mais non, on y allait là tout à l'heure. C'est juste que comme je suis mort comme un caca tout à l'heure, il me rend un coffre avec des rubis. Ou alors j'ai pas pris le coffre parce que j'étais plein de dédain et j'ai dit pfff, j'en avais pas besoin. Bon, c'est sûrement ça. Con comme je suis. Là, apparemment, j'ai pas fait un mini-boss. Donc, on fait mini-boss, le cœur, et on finit. Bon, on va faire ça, de toute façon. De toute façon, il me reste plus grand-chose à faire. Je suis nul, je suis très nul. Oui, l'annulité, l'annulité. Autour de moi, mais... Donc là, j'ai pas fait le boss. D'accord. Ben voilà. Mais c'est tout? Ce jeu se moque de moi, c'est pas tout. Genre vraiment, il m'a dit, ouais, regarde, il y a des monstres ici, mais pour rien. Il me manque un truc, c'est pas possible. J'ouvre les yeux, mais je vois pas de... Bah mince, quand même. C'est censé disparaître, le squelette, quand j'ai fini un truc. C'est lui qu'il fallait que je tue. Ou alors c'était la mimique, peut-être. C'était la mimique. Bon, soit. C'est pas grave. Et on se casse, et on se casse, et on se casse. On se casse vers le bas, puis vers là-bas. Tididili. Ça dégage la racaille. Pouette, 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 1, 2, 3, pouette, 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 putain, pouette, putain, pouette. Pouette, pouette.
Je sais pas ce que je fais, mais c'est pas grave. On va chercher le cœur de cœur. Ah, c'est celui-là. Mais apparemment, maintenant, j'ai le méga grappin, donc ça devrait le faire. Le méga grappin. J'ai même des bottes qui flottent dans les airs, mais... on s'en fiche un peu, je crois. Allez, on nettoie. Hop là. Mais je fais n'importe quoi, j'aime prendre les dégâts. Ah, j'aime bien. Des dégâts à la fraise. Ouf, bon alors. Maintenant on réfléchit. Comment avoir ce... Moi je suis quasiment sûr que je peux aller faire ça. Genre hop, hop. Genre maintenant que j'ai le méga grappin... Il va pas assez loin. Je suis un idiot. C'est bon, j'ai compris. Hop. Je suis idiot, mais genre l'idiot bête quoi. Je vous ai dit que j'étais l'idiot du village tout à l'heure. Vous avez pas voulu me croire. Mais envoie-le, mais pas là. Non plus, pas là. En fait, c'est lui qui m'embête pour être poli. Non, là. Et toi, tu vas. Bah, on peut te mettre là-bas en fait. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Genre, je te mets là, quoi. Genre, voilà. Je sais pas monter sur un caillou. Je sais toujours pas monter sur un caillou. Il était trop bien, ce fragment de cœur. Bon, ça, c'est fait. Aïe, je me suis fait mal. Des dégâts à la fraise, des fraises t'as dégâts. C'est pas mal. C'est les fraises t'as dégâts. Eh bien, nous allons finir le jeu, maintenant. Enfin, je pense que on finit le jeu, là-dessus. Allez, on y va. Pouette, 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 pouette. Salut. Bah, les pouvoirs des instruments de la musique. Qui n'ont fait aucun son, hein, cela dit, mais... Bon, on va dire que c'est du détail. Pouette. Il y a une porte, là. Si je tue tous les ennemis, la porte, elle va s'ouvrir ou pas? La 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 ta 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 ta. Il y a un interrupteur. Je veux l'interrupteur. Mais j'ai pas de plaque. Oh, je peux tout découper parce que je suis une... J'allais dire une jardiniste. Ah, si, le voilà mon caillou. Une jardiniste, non mais... Au secours. Ah, les gants, c'est bien fort, quand même, hein. Les gants, c'est les plus fortes. Bah là, voilà, ma porte. Flip. Alors... Je sais pas, est-ce qu'il fallait vraiment rentrer par là? Allez, je brûle parce que je suis bête, encore une fois. Voilà, toi tu dégages. Alors. Ah, apparemment c'est une énigme pour monter ça. Alors, bah, ça a pas l'air d'être une très très grosse énigme, cela dit. Parce que je flotte. Ah, je flotte plus, non, mes bottes. Bon, ok, ça a l'air d'être une énigme. Comment je peux faire pour pousser ce caillou là-bas. Non, ça, ça fonctionne pas. Il me manque un objet, cela dit. Ça doit être un parchemin. Il me manque des masques aussi. Les graines, je sais pas à quoi elles servent. Pff, je comprends pas. Eh bien, je suis très bête parce que j'ai un truc très fort dans ce jeu. Genre... Bloop. Ensuite... Je fais ça pour aller là-bas, et je fais ça. Allez, go! On va où, là? Ah, c'est un coffre!
Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Calab... Ouais. C'est cette épée-là, ouais. Elle inflige 3 points de dégâts et une portée de 2 cases, mais empêche de se servir d'un bouclier. Maintenez R pour la faire tournoyer. Cette épée longue aurait été forgée dans un royaume ancien selon les plus parfaites techniques. Ah, bon. Ben voilà, je crois que j'ai eu le dernier truc. Ben ouais. Bon, j'ai tous les coffres bleus, là. Normalement, pourquoi j'ai pas un succès? C'est quoi ce jeu? Ah, parce qu'attends, il y avait... Il y avait une histoire de dimension, là, pour aller chez les... C'était où, déjà? Bon, on va finir le jeu, après, on verra. On sauvegarde. Allez, go! On y va! Bienvenue dans le royaume... dans le royaume, dans le château de... C'est quoi, ça? Pourquoi il y a un violet? Pourquoi, là, il n'y a pas un violet? Grosse énigme. Non, j'aurais bien voulu... Allez, c'est parti. Naze. Mais qu'est-ce que quoi, là? Cusco quoi? Cusco Queen. À tes souhaits. C'est quoi, ça? Vision max, coûte de l'endurance. Ouais, non, on s'en fout, en fait. Moi, je veux toujours voir les objets. Mais tu m'en veux, toi, non? Mais calme ta joie! C'est quoi, ça? Mais mince, je l'avais pas vu. Non, j'aime bien voler au-dessus des trous. Il y a une clé, là. Alors, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ça dégage. Ok, très bien. Mais il y a un coffre bleu avec une carte. On le veut, non? Ouais, on le veut. Enfin, moi, je le veux. Il est en hauteur, pourquoi? C'est pas grave, j'ai une canne maintenant. Mais... Oh, j'ai chié dans la colle. Ça disparaît ou pas un jour, ce truc? Ok, c'est bon. Va falloir qu'on m'explique pourquoi j'ai foncé sur l'ennemi. Ok. Il me faudrait des cœurs. J'ai juste à demander apparemment. La torche s'est éteinte. Génial! Je vois plus rien. Bon. Il me faut des coffres. Ah. Peut-être que mon ami le marchand va m'aider. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ma carrelle. Il y a plein de téléporteurs. Mercredi. Tu te calmes, la statue, tu te calmes, j'en peux plus de toi. Et de tes manigances. Oula. Ça dégage! Ah, longue épée, Link, seulement. Ta 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 ta.
Dis-moi que t'as des cœurs à vendre. Cœurs à vendre, pas à vendre, à voler. Qui c'est qui chantait? C'est Renaud ça, non? Attends. Cœur à prendre, pas à vendre. Un peu. Gna 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 gna. Je sais plus ce qu'il dit après. C'est sur les dégâts, sur les dégâts. Choisis les dégâts. Non! C'est pas grave. C'est pas un drame, ça. Ta ta ta. J'ai plus de cœur. Cœur à prendre, pas à vendre, à donner, un peu naze, un peu d'occasion, un peu cassé, le meilleur album de Renaud. Ouais. Maman, elle aimait beaucoup celui-là. Donc, j'avais bien la bonne référence. Ouf. Mais je suis complètement con, moi, c'est... Par contre, c'est indéniable, la connerie m'a atteinte, mais d'un coup, quoi. Comment je les tue, eux, là? Apparemment, je peux me barrer sans les tuer. Bon, très bien, au revoir. Oh non, je vais mourir, je vais mourir. Ah! Attends, mais je suis full vie. Comment ça se fait? Je comprends plus rien. C'est quoi ce donjon de merde? La 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 la. La 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 la. C'est un peu la panique là. C'est quoi ce vieux là en plein milieu? Hé hey, papy, pousse-toi. Qu'est-ce que c'était que ça? Je suis un peu tendu, c'est vrai. En même temps, c'est le dernier château. Hein. Pa 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 da. Mais je me suis pris une statue sur la tronche. Cela dit, c'est les monstres de cadence, ça. De cadence, de crypt of the necrodancé. Je fais n'importe quoi, oui j'aime ça, le grand n'importe quoi. Oui j'aime ça, le grand n'importe quoi, c'est comme le grand pot-au-feu mais c'est n'importe quoi. Pi 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 pi. Allez, une clé. Alors que la boussole me dit depuis tout à l'heure, mais va là-bas! Va là-bas! Mais qu'est-ce que tu fais? Va là-bas! Oh non! Pourquoi tu vas pas là-bas? Tu ne vois pas qu'il y a une porte? Oui, c'est bon, je l'ai vu. Oh là! Au revoir. Allez. Ah, la grande clé. Déjà? Quoi? Mais comment se fait ce Christine Fess?
veux pas, on n'y est pas allé là. Ah! Bonjour. Un homme chauvement est arrivé, il a pris le contrôle du château et a endormi le roi, en disant que c'était pour le bien de tous. Franchement, j'ai du mal à le voir. Eh bien... Parfois, je vois d'étranges lueurs dans le hall d'entrée d'où vous venez d'arriver. Si c'est encore Octavo qui s'amuse à lancer des boules de feu partout, je préfère rester loin de tout ça. Bon, voyons les notes qu'on fait. J'ai pas envie d'appuyer sur le bouton play. Duc. Merde, ah, j'ai trouvé. Mais merde. Mais je suis con. La. Mais merde, c'est pas ça. Alors. Voilà. J'ai pas besoin du play, moi. Je joue le jeu comme ça, là. Et comment ? Je dormais ! Les gens se sont loin, tu m'as réveillé. J'étais en train de faire un triple cauchemar dans lequel Irune était réduite en ruine. Ma fille, Zelda, que s'est-il passé pendant que je dormais ? Comment ? De génération en génération, une armée très spéciale s'est transmise dans notre famille. Si tu parviens à sortir victorieuse de l'épreuve de la crypte, prends-la et mets un terme aux ambitions d'Octavo. Je vais dans la crypte pour mettre Octavo hors d'état de nuire. Alors, oula. Et après ? Ouais, merci, mais je fais quoi après? Faut peut-être utiliser ça. Le mec se lance dans le vide. Non. Je ne peux pas. Est-ce qu'il faut tuer toutes les... Oui, je pense qu'il faut tuer toutes les machines. C'est parti, comment je peux faire pour toutes les tuer? Ça a l'air de se détruire petit à petit, c'est bien ça. Pas besoin d'utiliser de flèches. Merde! Madame, vas-y, tire tout ce que t'as. Genre, vers le haut. Madame, voilà, continue. Allez. Non, vers le haut, j'ai dit, allez. Mais non, pas dans le vide. Mais qui est con, ce type. C'est bon? Il en reste plus que deux. Très bien. Parce que les deux, je peux faire un zouf. Zouf. Voilà. Et maintenant qu'elles sont toutes mortes, je fais quoi? Mais je ne comprends pas. Que dois-je faire? Comment je fais pour juste me retourner? Est-ce que Link voit le chemin? Non, il ne le voit pas. Mais j'aurais pu le faire depuis le début. Bon, bref, c'est pas grave. Vous avez obtenu la rapière royale. Seule Zelda peut s'en servir. Elle peut infliger 2 points de dégâts. Et si vous vous élancez de 2 cases en avant, elle inflige 1 point de dégâts supplémentaire. Et repousse les ennemis à proximité. Transmise de génération en génération dans la famille royale d'Hyrule, elle confère une force héroïque à ceux qui le manient. Et je n'en veux pas. Je veux ma lance. Et comment on s'en va? Ah ben là on peut. Genre... Allez, au revoir. Très bien. Eh bien... Faisons le boss. Mais j'ai pas toute ma vie. Oh, je voulais toute ma vie, moi. C'est pas grave, allons-y.
Allons tuer Octavo. Oula. Poussez-vous. Oui. Ouh. C'est parti. Ah, on arrive à une salle de concert. J'avais entraîné mes virtuoses pour affronter Ganon, mais la chose ne s'est pas déroulée comme... Les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, exactement comme la phrase que je viens de dire. À présent, il est temps que je récupère mes instruments. Mais non, c'est moi, ils sont à moi, pas à toi. Mais merde. Peut-être ai-je besoin d'un nouveau virtuose. Voyons si tu es digne du titre de virtuose d'Hyrule. Prépare-toi. Octave. Bon, eh bien, c'est parti. Ça, je la comprends pas. Ah si, il faut changer de personnage parce que c'est Link qui prend pas les boules... Les boules vertes, en fait. Mais d'un côté, je me dis... J'ai fait le jeu avec Zelda, j'ai envie de continuer avec. Quitte à me mettre des bâtons dans les roues. Ouais, bon. Aïe, 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 coup de froid. Coup dur pour le joueur français. Mince. Je suis un imbécile heureux. Parce que je sais comment esquiver ça. Mince. Non mais... Oh là là, oh là là, oh là là. Mais je vais en plein dedans, mais... Ça m'apprendra, j'ai fait n'importe quoi. Non vraiment, ça m'apprendra. Non, c'est ça là que je voulais, mais c'est pas grave. On y retourne. Ah, ça m'apprendra, hein. J'ai juste fait n'importe quoi. Hein. Allez, on est reparti. Ça me pendait au nez, de toute façon. Allez, Octavo. En fait, j'ai juste à le toucher lui, je crois, non ? C'est ça. Faut que je touche lui pour faire... Elle est où ma potion? J'avais une potion tout à l'heure et elle est où? Bon, c'est pas grave. On continue.
Non. Pourquoi j'ai pris des là? Allez, boum! S'il y a une autre phase, par contre, je suis dans la cacade. Soyons honnêtes. 2 heures de portail, qu'avez-vous fait? Pauvre fou, ça m'ennuie d'or, comment allons-nous vaincre Ganon? Il ne nous reste qu'un ultime espoir. J'ai un point de vie, mec. Je vais pas pouvoir y aller. Bon, c'est pas grave. Point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. La fameuse zone.